Eh bien bonjour à tous, c'est Metarcraft. Ah zut. Un ligateur, on ne saura donc pas qui je fais. Enfin bon, si, on devinera parce que... on saura où je suis. Alors... ça s'entend bien. Une petite musique très connue. Une maison de même. Je sors et... rien ne se passe. Si rien ne se passe, c'est tout à fait normal parce que en mettant le Pokédex, eh bien j'ai vu cet après-midi juste ceci. Pokémon Chromatic View 1. Voilà. Donc, en deux mots, Fulgurus et Eevee. Et ben voilà, j'avais commencé la recherche l'an dernier. Je l'ai commencé après. J'ai commencé après quel Pokémon? Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai commencé. Ça fait loin. Normalement c'est après un Terrakium et un Chouette, ouais. Donc j'ai commencé après Terrakium et un Chouette. Qui sont bah, en gros dans mes premiers Shiny, c'est-à-dire j'ai même pas 10 Shiny quand je vais commencer cette recherche là. J'en étais à 2541 je crois, avant les SHTC 2011. Je l'ai pas repris. Pendant les SHTC 2012, je l'ai repris. C'est-à-dire que j'avais fait Moustillon, puis j'ai refait une nouvelle partie. Et où je suis là, voilà, devant. Dès que j'ai pu faire, dès que j'ai entendu qu'il y avait un genre de flash, etc., comme quoi il y avait un problème dans la route faite, hop, j'y suis allé, je suis allé faire Fulguris direct pour reprendre la recherche. J'en ai fait un petit peu pendant SHTC, puis après SHTC, là j'ai continué avec notre recherche sur Rougefeu. Alors je dis pas qui c'est sur Rougefeu parce que je tiens à garder le secret, vu qu'il n'y a pas de chance. Bref, bah si, je vais quand même montrer. Alors, il est génial, vraiment je l'adore, voilà. Ça me fait l'expérience d'avoir un fuyard sur... j'avoir chassé un fuyard en tout cas. Bon, c'est pas vraiment la traque au fuyard, mais c'est une méthode pour faire un fuyard. Et je l'avais pas dans le Dex. J'hésitais, est-ce que je le mets dans le Dex ou si je le mets pas. Je me suis dit non, je vais pas le mettre comme ça. Au moins, j'aurai la preuve de la capture. Bon, l'inconvénient, c'est qu'en attendant, je n'ai pas... je n'ai pas la comparaison, voilà. J'ai pas la comparaison, mais je le ferai plus tard. Et ouais, bon, c'est vrai que si on est trop emporté, je comprends qu'il y en ait... C'est vraiment, ça arrive encore rarement. Mais sur le nombre de fois que Fulgurus a été fait, il y a quand même eu un bon kill. Je suis toujours au Vex. Bon, je vais essayer de manier pour aller voir une première fois. Après, pas si ça me capture. Soit je mettrai juste les morceaux. Parce que j'avais une team pour ma première partie sur ma blanche. Pour quand j'ai eu la partie avec mon Moustillon. En fait, je me suis dit, bon, je vais le faire, mais je ne suis pas. En fait, je n'y suis jamais allé. Mais si je suis en transfert des Pokémon, j'avais de quoi après de venir le faire. Route 5. Donc, il est dans le coin. Mais là, non. En fait, dès que j'ai pu, j'y suis allé et j'ai sauvegardé et point barre. J'ai vraiment rien pour le capturer. Non, rien. Peut-être que je verrai. Peut-être trouver une capture à la Master Ball. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais le laisser, voilà. Je lis direct, je sais que je vais le capturer, mais je vais reset. Ce sera juste pour voir sa nature et ses dérivés. J'aime bien le voir comme ça apparaître, c'est sympathique. Non. Oh, il veut pas venir. Route 4. Pour se foutre de ma gueule, qu'on est en décalé. Je rentre les routes 4 et je sors, il n'est plus route 4. Et je trouve ça sympathique, elle est sur la route 4, dans le désert. Il pleut dans le désert. Bon. Sans souci, comme ça, ça dérange pas. Hein. Bon. Il me semble que là il est sur 3 routes seulement, la 5, la 4 et la 16. Donc je fais preuve d'énormément de chance apparemment. Oh. Ah non, on sait. Ah mais... Ah, oula. Je voulais continuer, il s'est tiré. Il est chaud. Bouton.
Ah, il est passé tout là-haut. La scène tienne. Hein. Oui, oui, ça se peut, les orages, on est désolé. J'ai pas fini l'aventure. Pourquoi il est là-bas? Mais... Voilà, il pleut route 4. On a encore fait une bonne dizaine d'allers-retours, mais c'est chose faite. On prend bien l'objectif et on cherche. Ah ben voilà, ça aurait été ma plus longue recherche, hein. Pour le moment en tout cas, ben, puisque je l'ai commencé. Ouais, d'ailleurs il me semble bien que j'ai commencé, je faisais déjà Terrakium, parce que je l'ai, voilà, les souvenirs me reviennent. Je l'ai commencé, je faisais en chouette déjà, enfin j'ai commencé je crois bien quand je finis en chouette. Je faisais en chouette sur la blanche, Terrakium sur ma noire. Après j'ai inversé, je sais plus, j'ai fait des micmacs avec ça. Pas le tuer, je suis niveau 54. Je lui fais un lance-lame, ça devrait aller. Parfait, je l'ai brûlé, comme ça au moins je peux pas l'endormir. Ouais, jackpot, ouais. Alors là, le bruit que j'entends du sable qui vole, j'en ai à peu près la même sensation dans mon cerveau pour me dire comment je vais le capturer. Gros vent. Le gros vent qui souffle. J'ai strictement aucune idée. Bon, on va faire une pause le temps que je trouve une idée. Voilà. Si je veux dire une chose, c'est capture chaotique. Voilà. Bon, alors je compte retenter. Je pensais faire face à ça. Je vais tenter un autre lance-flamme. Un lance-flamme suicidaire, ouais, voilà. C'est comme ça. Si, pas cool. Voilà. On se revoit pour la suite. Alors oui, j'en profite, en fait, ça va être un petit plaisir, de pouvoir revoir ces étoiles le plus souvent possible. Alors, franchement, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça, en fait, que je pense que je suis sûr, déjà, enfin, que je peux pas le... Enfin, je vais resetter, je vais pas sauvegarder après l'avoir capturé. Ouais, parce que justement, ce qui pouvait m'intéresser, c'est un peu comme à la 4G, pouvoir revoir les étoiles du Shiny quand on est en face. Bon, sur la 4G, forcément, faut lancer des bols. Au bout d'un moment, il est capturé, mais bon, c'est quand même sympa. Imaginez sur 3G, si on pouvait faire ça, les gens, vous avez les animations des moines qui se répètent, ce serait énorme. Bon, on va essayer de voir combien de bols ça va me prendre. J'ai quelques rapides bols donc. Mais je n'ai pas mieux, j'ai vraiment fait une partie direct. J'ai rien pris, rien capturé, rien échangé, rien, que dalle. Ah bah non, carrément. On se retrouve pour la suite. Bonne nouvelle, mon APN le prend comme un normal, son MOV ne passe pas. Zut. Non, j'ai vu les photos, j'ai cru que j'avais un shiny, enfin j'avais un normal dans les yeux. Troisième bol. Allez donc. Dommage, j'ai cru. J'ai cru. Et ben voilà,
Sixième rapid ball. Donc au moins il m'en fallait 7. Voilà, je précise. Il m'en fallait 7 parce que au taux de capture de noir et blanc, donc noir et blanc 2 je suppose, en herbe normale, il nous... Enfin, Sulgris, là, comme ça, à peu près 5% de sa vie brûlée, il était à environ 13% de chance d'être capturé. Un poil plus. En fait, c'est son mauve, c'est que... Ben, c'est pas du mauve, c'est... C'est pas du tout du mauve, mais... C'est vraiment la première fois que mon APN n'arrive pas du tout à le retranscrire. Je vais changer un petit peu de luminosité. Je vais la mettre à... Non, ça c'est le son. Je vais la mettre à fond. C'est pas mieux. Je vais la mettre au minimum. Pas mieux. En fait, le seul truc, c'est... Je... Comme ça, hop. J'ai toute sa peau là, non pas les taches, mais la peau qui est la couleur normale, mais par contre j'ai le reste, c'est-à-dire par exemple la queue là qui est vraiment mauve. Voilà. Donc j'ai un hybride, voilà, j'ai un hybride. Non, sur non, non. Bon, je viens de voir que je suis à court de batterie. Regarde mon équipe. Mon équipe, j'avais pas grand-chose. Tu vas mettre. Ah, c'est pour ça que ça allait pas vite, parce que j'avais puanteur. Et oui, parce qu'en fait je me sers de mon masque pour faire des fois des herbes mouvantes. Non, je m'en sers pourquoi, je sais plus, mais en tout cas j'aime bien Mias, mais mince. Je crois pourquoi ça allait pas vite. Je juste mon roi Tiflamme, je vais les battre. Après j'ai chopé un Caraclé, je le mets Ken, et un Chagriban, je le mets Lin, pour faire comme dans Okutonoken. Un coin de son, un petit moment pour avoir surf, et le Fluris. Ah zut, je viens de faire mon résumé. Non, Moon c'est... Enfin, non, c'est Kenshiro, mais les deux personnages qui commencent vraiment à l'accompagner s'appellent Bat et Lin. Je me suis dit que... Bon, en plus j'ai eu du pot, je suis tombé sur Caraclé le premier coup dans les herbes mouvantes. Bon. Alors, Paris Nature. D'accord, donc Moon dit gentil. Et ouais, d'accord, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont actifs. Bon, chasseur qui est dans les parages, je veux dire prudent. Prisote, je sais pas. Bon, j'en profite, je. Ooms me sort timide. Nitros doux. Et il est nature neutre, merde. Hardy, d'accord. Ah, c'est la première nature, celle-là. Les IV s'emportent facilement, zut. Zut, zut, zut. Alors finalement, en fait, j'ai eu un gros coup de peau qui soit brûlé, parce que j'avais rien pour le paralyser, j'avais rien pour l'endormir, de toute façon. Donc brûlé, ça m'a fait un statut, ça m'a fait quand même pas mal de chance en plus de le choper. Voilà, ah, Fugacini. Ah, c'est quand même cool d'avoir un fuyard au final. Vendetta, onde de choc, quand ils sont à hâte. Je veux dire que j'étais pas du tout renseigné sur les attaques. Ah, je me serais renseigné si vous voulez le choper, mais bon, là, je savais que... J'ai rien à dire. Alors, il y a cette page internet? Non. Bon, zut, déjà les seuls autres fuyards que je fais, c'est les fuyards 3G, mais bon. Alors, lui, les IV, c'est 10-11 en PV, 18-19 en attaque, de 5 à 7 en défense, de 5 à 7 en défense spéciale, 8 à 9 en. Non, 8, 5 à 7 en attaque spéciale, 8 à 9 en défense spéciale et 3 à 5 en vitesse. Donc, il est pourri. Très très pourri. Je l'ai trouvé à 16h40 à peu près, là il est 19h30. Enfin, plus ou moins. Bon. Ouais, j'ai attendu exprès. Je me suis dit, bon, chasseur, comme il fait ses.
C'est chien légendaire, je pourrais, il y aura bien un moment où il va mettre le son et moi je pourrais mettre mon Fugressony derrière. Je vais filer ça et ça va marcher. Ah, peut-être dû monter un peu le son et fermer Firefox parce que. Bon, il est un peu brûlé. J'ai un petit peu. À 3h, j'ai attendu 1h30, je m'en fous. Bah, j'ai pris une autre DS et je suis allé faire des pêches de lanterne, ouais. Et alors, on s'est mis un petit plaisir quand même. Non, moi, je veux juste un fuyard comme ça, moi, c'est pas pour faire un trio. Je vais commencer la recherche en même temps, j'ai fini. J'ai pas grand chose à dire en conclusion de cette vidéo là, ouais. Ça fait tellement longtemps. Voilà. Là je le faisais, mais je faisais quelques aides parce que je suis en train de lire mes livres pour la rentrée. Oui, c'est quand même la rentrée un petit peu. Le 30 août, ça s'approche quand même. Donc j'en faisais quelques-uns, enfin je faisais des très larges pauses. À ce niveau-là, je suis vraiment pas quelqu'un qui... Non, mon étude n'est pas exemplaire, mais bon. On va dire que ça a payé comme ça. Je veux dire, quoi, 200 rencontres par jour, peut-être, on va dire 300 avec les deux consoles. On va être gentil, on va dire 300 rencontres. On dit ça en gros. Voilà. La série qui est tombée, une recherche lente, mais ça allait bien avec celle que je fais sur vos cheveux. Je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est du repousse et ma cible, elle a un taux très très avantageux. Voilà, c'est au moins si on a que le chercher, ils peuvent. Non, bah, si j'ai pas fait Boreas, j'aurais pu faire Boreas sur Manoir, je n'ai aucun shiny déjà de fait, aucun légendaire, je veux dire, j'ai pris aucun événement. Mais je préférais Fulgurus, sa couleur m'attire plus. Pour le fuyard, je préférais quand même. Après, la méthode avec le Pokédex, c'est intéressant. Bon, voilà, on reset, on va le Pokédex. C'est pas bon, c'est sûr, ça change les rencontres. Faut bien voir le 1, on a souvent l'habitude de resetter. Avec les rencontres, on a l'apparition, donc on peut savoir, c'est quelque chose de progressif. Là, c'est directement cash, t'as le 1, par exemple. Donc, on en fait vite de voir le 1 et de le foirer. Mais bon, ça, comme j'étais tranquille, c'est pareil. Rien de plus à dire, vraiment rien de plus là, c'est, à la fois c'est bien, ça fait vraiment longtemps que je le cherche, etc. C'est un chenille que j'aime bien, mais on a match to say, hein, voilà. C'est, il est pourri aussi, mais bon, ça je vais aller tous les events, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un bon fuyard pour une fois. De toute façon, les autres que je vais avoir vont avoir des events totalement exécrables. Donc c'est pas comme ça. Voilà. Non, mais ce sera tout. C'est mon 109e Shiny. Ouais, j'aurais pu peut-être le faire en 110e, mais bon. Faut pas le 110e, de toute façon, ce sera un peu un peu pour gagner la trempe. Un truc repousse, quelque chose de lent. C'est la rentrée. Je mets une recherche lente. Les HSC, j'ai fait la recherche par repousse, qui repoussait pas trop, qui était un peu rapide. Là, je fais les recherches lentes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, une petite récré, tu veux faire un petit Entei, un petit. Enfin, plutôt Entei. Ou deux Latios, et puis voilà. Ah non, bon, voilà. Bon, dédicace un peu. Alors, j'étais sur la grande converse. Enfin, non, j'étais pas d'ailleurs. Je suis connecté pour l'occasion. Donc, il y avait Ooms, il y avait Vinceman, Unitros qui est passé. Il y avait Chasseur Shiny. Bon, il y avait Moon, à qui j'ai dit en premier. Ma chérie. Bon, un dédicace à la bande des Métamorphes. Lui, à Totera dans le coin. Il y a. Ah, comme il l'appelle, je sais pas trop qui c'est qui est dans le. Si, il y avait Boulotte, qui est dans le coin. Il y a Macaron. Il y avait Nosratus aussi. Voilà, dédicace un peu au reste aussi, à ceux qui sont pas là, ceux qui bossent, etc. Allez, à bientôt.